aujourd'hui tu vas montrer, tu vas dire merci à Dieu. Je suis le de cœur, de paix, mais de la parole de Dieu qui sort de sa bouche. Sur le matin, la maison, on a fait son bâtiment. Et il dit, je n'ai pas besoin de ça pour ton âme. Il a besoin de la parole de Dieu. Donc ce matin, tu vas recommander ce moment à Dieu qui utilise son serviteur, qui l'a mandaté aujourd'hui. Et lui-même, il prend le contrôle. Au nom de Jésus. Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Amen. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Dieu. Qui est là pour voir Dieu? Qui est là pour voir Dieu? Voir Dieu. Gloire à Jésus. Qui est là pour faire plaisir à quelqu'un? Alléluia. Amen. Nous tous, nous voulons voir Dieu.
Mais le premier verset, à partir duquel nous allons marcher, nous dit, sans la sanctification, Dieu. Amen. Amen. Sanctification, ça veut dire quoi? Dit sanctification, c'est action et effet de la grâce qui sanctifie. Célébration selon les lois de l'Église, des dimanches. Alléluia. Donc la Bible dit que Alléluia. Or dans sanctification, il y a saint. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Voilà Jésus. Alors quand j'ai donné le thème, je dis ce. La sanctification, se sanctifier. En d'autres termes, ce matin, le thème, c'est se sanctifier. Toi-même, comment tu vas faire pour être saint? Gloire à Dieu. Alors, que veut dire ce qui est saint? Ce qui est saint, c'est la chose dans laquelle il n'y a pas de péché. Donc, se sanctifier veut dire il faut lutter tous les jours contre le péché. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Si nous ne sommes pas sanctifiés, nous ne pouvons pas le voir. Est-ce que quelqu'un aime? Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Si on ne se comprend pas, on ne bouge pas, on reste là. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, Dieu dit à chacun a la responsabilité de sa vie. Au fait, je ne suis pas responsable d'habit. Qui t'a dit de t'habiller comme ça ce matin? C'est toi, non? C'est toi qui es responsable d'habit. Alléluia. Tu sais ce qui est bon? Tu penses que là, tu es là ce matin? Alléluia. J'ai dit, si nous ne sommes pas sanctifiés, on évite les voies. Non, sanctifiés. Ça commence à aller. Amen. Je veux qu'on se comprenne. Je ne vais pas parler sur une partie du peuple, et l'autre dit qu'il a dit quoi aujourd'hui. Viens t'asseoir. Viens, mon ami, il a donné sa parole. Tu es la parole de Dieu. Votre sanctification. Amen. 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 C'est que vous vous obteniez. Abstenir, vous abstenir de l'impudicité. Abstenir, ça veut dire quoi? C'est que il y a des choses qui donnent votre totem. Tu peux verser un peu le verset? Quelqu'un veut le verset? 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 4. Dieu dit que toi et moi, quand on voit impudicité, on dit moi je vais au ciel, impudicité, qui est ton chemin? C'est ça? C'est abstenir. Alléluia. Amen. Ça fait du bien à quelqu'un pour la vie, pour l'âme de quelqu'un. Dieu veut que toi et moi nous soyons saints. Ça veut dire quoi? Séparer du péché. Il veut que entre le péché et nous, qu'il y ait un grand fossé, un grand trou. Alléluia. Amen. C'est un combat que toi et moi nous devons mener. Si nous voulons plaire à Dieu. Mais si nous voulons plaire, que ce dimanche 15 mars 2020, on n'a pas entendu cette parole. Voilà, Jésus. Dieu veut en d'autres termes que toi et moi nous soyons sans défaut. Sans défaut. Quelqu'un dit, mais est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible. Alléluia. Amen. C'est possible. Tu n'es pas marié. Pour les deux jeunes gens, vous n'êtes pas mariés. Or, la Bible dit pour être. Femme et garçon, il faut que nous soyons mariés.
C'est une loi. Si vous n'êtes pas marié, que vous allez faire ce que font les mariés, il y a un problème. Devant Dieu, il y a un problème. Je veux que quelqu'un me dise Amen. 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 En tout cas, moi, ce que nous faisons, il ne faudrait pas que Dieu soit fâché avec nous. Or, quand Dieu se fâche avec quelqu'un, il détourne son regard de cette personne. Parce que ses yeux n'aiment pas voir le péché. Ça peut aller comme ça. Amen. Tu peux le dire devant les gens. Mais il y a un œil qui perce les murs. Tu es seul, on ne sait pas où tu vas. Mais l'œil, la vie, regarde où tu vas. C'est l'œil là qui a dit, il ne faut pas pécher. Alléluia. Il y a un œil devant lequel rien n'est caché. Il voit la fourmi noire dans la nuit noire. C'est pour ça qu'un charbonnier noir, c'est un charbon noir. On m'a dit, mais je n'ai pas vu la première fois. Oui. J'étais passé par là. Il y avait des folies de jeunesse que j'ai faites. Personne ne me parlait. Vous devez faire gaffe de vous. Il y a des gens qui sont. Tu vas prendre du temps pour effacer cela devant Dieu. Or, tu ne peux l'effacer qu'avec la gomme du Saint-Esprit. Et ça va prendre du temps. Tu as tellement accumulé qu'il faut enlever, il faut enlever, il faut enlever, il faut enlever. Et quand c'est là, tu dis non, hey, je suis assis, je dis ici, il n'y a rien. Non. Il faut que ce soit complètement effacé. Et puis quand tu filmes, hein, le sang de Jésus fait tout ça. Alors Dieu te voit et dit voilà mon fils, voilà mon fils. Amen. Alléluia. Amen. Et dedans, il n'y a pas enfant. C'est quand tu as prié le pôle de ton père. Tu réfléchis bien. Tu t'assures qu'il n'y a personne pour te voir. Tu vois d'abord, tu vas guetter le salon s'il n'y a personne, s'il y a machin. Et puis, le pantalon est là. Tu vas passer pour voir vers quel côté aller le ton. Et puis, c'est toute une stratégie du mal. Tu vas aller tout de suite. Je suis passé par là. Maman, mon temps, il n'y a pas assez de jetons. 50 ans, c'était pied. Mon temps. Je n'étais pas jetons. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous sommes à faire des péchés, il n'y a pas enfant. Vous avez les portables là, vous regardez les images bizarres. Oh Dieu, tu vois quand tu regardes ces images. Vous êtes assis aussi, on ne sait pas quelle affaire vous faites aussi, mais toute la journée. Prenez la salle petite des unes pour aller aussi bien. Quand vous êtes là, vous couvrez tout l'écran. Oh, quand vous avez couvert, vous n'avez pas couvert les yeux de Dieu pour vous regarder. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. C'est comme quelqu'un qui a volé dans la sauce, il a mangé et puis il reçut sa bouche. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Amen. Est-ce que je vais blesser quelqu'un dans mon propos? Est-ce que j'ai blessé quelqu'un? Non. Est-ce que je me suis adressé à quelqu'un? Non. On va le lire. Ça va couler vite. Vous pouvez le dire, hein? À ma prêtant Matthieu 5, 8. Éphésiens 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Et irrépréhensible devant lui. Dieu te connaissait, Dieu qui t'a fait, il te connaît. Alléluia. Amen. Il t'a fait, toi et moi, il nous a fait sans péché. C'est en cours de route. Et ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Et l'autre est entré dans le jardin. Alléluia. Donc, si le péché est entré, nous avons le devoir, nous, de nous arranger, que si on était inconscient, si on a compris que le péché n'est pas bon, de nous débarrasser du péché.
de sortir du péché, de tourner le dos au péché. Je n'entends pas d'amen. Amen. Matthieu 5, verset 8. Verset 8. Ah, taille devant Dieu. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur. S'il a le cœur pur, il va faire quoi? Il verra Dieu. C'est ici qui a le cœur pas Dieu. S'il a le cœur mis à critique, il ne verra pas Dieu. S'il a le cœur mis à combattre, il ne verra pas Dieu. Alléluia. Amen. Ça va, on peut continuer. Amen. Tout ça, ça rentre dans le cadre de la sanctification. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 15. 1 Pierre 15. Mais vous aussi, soyez saints dans tous vos conduites. Amen. Amen. Ça s'adresse à toi, à moi, disons Amen ensemble, en fait, Amen. Amen. C'est dans toute notre conduite. Quand on marche là, que notre démarche là, on voit la sainteté dans notre démarche. Alléluia. Amen. Que les pieds qu'on prend pour marcher là, ce soit pour aller faire, pour aller pour mettre des clés. Ta bouche te grince et puis tu vas aller pour parler les gens. C'est tes pieds qui prennent pour marcher. Alléluia. Amen. Oui, verset 16. Verset 16. C'est Dieu a dit, lui, il nous voit saint, hein, parce que lui est saint. À nous de nous, il revient à chacun, moi, je m'arrange pour être saint. Je buvais la mort, j'ai arrêté encore. J'ai fumé cigarette, j'ai arrêté. Je me suis même amusé à fumer un jour joint. J'ai arrêté. Cigarette, c'est la bourgeoise qui m'a fait vomir, je n'avais pas mangé. J'ai quitté les 220 pour aller à la crèche, puis chez mon nom. J'ai marché à pied du 220 pour aller à la crèche pour trouver un peu de foot à manger. J'ai fumé, arrivé au lieu de manger, j'étais tellement fumé, j'ai fumé gauloise. Et puis j'ai mis de l'eau glacée. Et puis j'ai dit, cigarette, gauloise, quoi, pour le voir. Allez, déjà ma délivrance, alléluia. Donc on peut. Ce que je vous dis là, je suis passé par là. On peut le faire. Si on le veut, on le peut. Amen. Amen. 1 Corinthiens 6. 18 à 20. Fuyez l'impudicité. Attends, le verset dit. Le verset dit. Mais j'ai dit, attends, regardez, pardon, servant de Dieu, réponds le verset. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas dit faut que je les tue. Fuyez. Alléluia. Amen. Joseph était avec la femme de Potiphar, ils étaient deux dans la maison. Si vous lisez la Bible, elle est venue dire, hey, mon tout petit. On dit quoi au pays? Il dit, mais c'est de moi. Il dit, arrête, bêtise, c'est de toi que je parle. On dit quoi? Il dit non. Non, tant pis, je ne suis pas ta tante. Non, maman, c'est moi qui t'ai mis le monde, je dis, je ne suis pas ta maman. J'ai dit tout petit, je dis, maman, tant pis. On dit quoi? Et la fille déclare, on mange, c'est là, va se rendre compte. Sa mère l'a dit. Elle dit, mais tu as qu'un. Et non, je n'ai pas qu'un. Mais ça, c'est mon totem. Alléluia. Tu viens d'où? Qui est ton père? Qui est ta mère? Tu as vu des gens qui sont là, tu as vu des diamants. Ça, c'est pour toi. Seulement, 5 minutes, c'est pour toi. Alléluia. Amen. Et puis le petit était là. Il voulait dire aussi, il voulait dire le truc, il voulait sa chemise là. Elle dit, tu vas où? Quand il a commencé à fuir, la chemise, elle dit, non, va mettre ta chemise dans ma main. Si tu ne veux pas avoir, tu as fait. Si tu n'as pas fait, tu as fait. Alléluia. Amen. Quand son mari est revenu, tu vois, vous voyez le diable. C'est comme si c'est eux qu'on a construit.
Nous, toi, dans la maison ici, là, tu as envoyé un esclave. Le pauvre, tu es venu, tu as envoyé pour me dire. Je parle de quoi, même? Je parle de quoi? Je parle de quoi? Voilà, voilà, c'est de ça, je parle. Tiens. Il dit quoi? Elle me dit, quelle quoi tu me demandes? Voilà ça. Alléluia. Mais ce qui s'est passé à Joseph, Dieu savait que Joseph n'était coupable de rien. Amen. Amen. Si c'était de nos jours aujourd'hui, mais non. Ils vont sortir des expressions diaboliques. Dieu l'or, diamant pour moi, moi petit. Moi le préféro. Nous, dans la famille, là, pour manger, nous, on se tout ça. La Bible déclare que Joseph a fui. On peut encore fuir aujourd'hui. Et on doit fuir aujourd'hui. Pourquoi? On fuit parce que le plus important, quand tu vas mourir, où tu vas finir ton éternité? Mange à table aujourd'hui. Mange de tous les côtés tu vas manger, mais est-ce que tu mangeras à table du Seigneur? C'est ça. La Bible déclare. Alléluia. Écoute. Tout ce qu'on voit, les yeux voient, tout est sur le marché, c'est un bon marché, tout ça, mais fais très attention. C'est pas tout qui est bon. C'est pas tout qui nourrit, c'est pas tout qui donne la santé. Alléluia. Je préfère que désormais que tu vois tout en Corolla de lui. Alléluia. Il y a un journaliste belge, il dit, mais on s'est pris pour le sang du monde, on a fait tout, on a dominé, on a fait tout ce qu'on voulait faire, et puis on se croit que c'est nous qui sommes les champions de toute catégorie et tout, et puis, du coup, il est arrivé. C'est qui? Covid-19. Covid-19. Il est arrivé. Instantanément, les grands pays qui se croient intouchables ont commencé à fermer les frontières, ils ont commencé à perdre la confiance entre eux, et nous sommes ici en Europe. Et puis tu peux même plus saluer ton voisin parce qu'il a peur que en le saluant quelqu'un qui en chasse force. Alléluia. Sanctifions-nous. On plaît à Jésus. Amen. Ma fille. La Bible dit. Que chacun sache tenir son corps. C'est-à-dire ta bouche, tes yeux, tes oreilles et ton cœur dans la sainteté. On sait qu'il fallait être. Amen. À partir d'aujourd'hui, ta bouche, là, quand tu vas parler, là, que ce soit pour la gloire de Jésus. Amen. C'est quoi, on dit, tu écoutes, là, qu'il y ait la gloire de Jésus dans cela. Alléluia. Amen. C'est que tes yeux regardent. C'est vrai, personne ne te voit. Tu es en train de regarder, puis tu te caches comme si on va te toucher. Là. Que ce soit pour la gloire de Jésus. Amen. La Bible déclare. C'est pour la publicité a un impact. Ce qui est faux, là, à force de récitations, on voit sur les jours, on accepte que c'est vrai. Gloire à Jésus. C'est qu'on écoute. À force d'écouter, même si on dit, mais c'est vrai, puisque les gens parlent tous les jours, c'est que c'est vrai. Et toi et moi, il y a les uns et les autres, nous faisons partie des uns. N'imitons pas les autres. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui nous a appelé à l'Église, il est saint. Il est même trois fois saint. Donc, arrangeons-nous au moins à être une fois saint. Lui, les trois fois. On ne peut pas arriver à trois fois. Mais arrangeons-nous. Au moins une fois que. Et notre dit, oui, voilà. Voilà, c'est le peuple que je désire.
ça va nous servir tous les dimanches. On les appelle tous les jours, on va se suivre, on va se laisser avec, on voit la Bible. Et puis au dernier jour, Dieu va dire, je ne te connais pas. Non. Travaillons à notre demain. Voilà Jésus. Amen. Nous sommes ensemble. La préfiguration du baptême. Pour qu'on plonge les gens, on vous plonge, vous mourrez à tous vos péchés. Dès que vous sortez des eaux du baptême, l'aiguille est revenue à zéro. Comme vous n'avez jamais péché, alors prenez votre vie au sérieux, qui a oublié les péchés passés. Monsieur, vous êtes moi à l'église. Christ, il n'y a pas de péché en lui. Et toi, il n'y a pas de péché en nous. Là, nous pouvons. Si nous voulons, nous sommes là. Sinon, il y a les séparés du Saint-Esprit. Vraiment, je suis en train de parler du Saint-Esprit. Il y a des situations devant lesquelles, si tu n'as pas invoqué le Saint-Esprit, Alléluia. Dieu même me regarde. Qu'est-ce que je connais? Je fais confiance à mon fils, à ma fille. Non, je sais, il ne va pas céder à ça. Dieu nous fait confiance. Dieu te fait confiance. Amen. Si c'est avec lequel ils ne te font pas confiance, Dieu te fait confiance. Amen. Parce que Dieu sait que chaque jour, il y a un défi qui nous est présenté pour nous relever. Dieu nous fait confiance. Ne sommes-nous pas ses ambassadeurs? Amen. Quelles sont les lettres de créance que tu es, toi, ambassadeur que tu as, décrites que tu as présenté au monde? C'est toi, ambassadeur, on va crier quand on crie voleur, puis c'est ambassadeur qui est voleur. Jamais. Il ne connaît pas Christ. Alors il va dire comme Akan, non? Mes yeux ont vu, j'ai combattu, et puis j'ai pris. Akan n'a pas dit j'ai volé, il dit j'ai pris. Comme il a dit, il n'a pas dit j'ai volé, j'ai pris, la Bible déclare que lui, sa femme, ses enfants, tout cela, ils ont été engloutis. On ne joue pas à Dieu. Ce que Dieu dit de laisser là, laisser, c'est de Dieu. Ce qui est total de Dieu, que cela soit ton tenant à partir d'aujourd'hui. Amen. 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 Alléluia. Amen. On va aller au pas de pouce maintenant. Un Corinthiens 6. 16 et 17. Je vous en conjure donc. Soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la lumière, quelle est la manière dont. Amen, ma fille. Amen. Soyons les imitateurs de Christ. Amen. On a imité le monde, ça ne nous a rien donné. Maintenant, mettons-nous à imiter Christ. Alléluia. Le monde dira que nous sommes ridicules. Je préfère être ridicule pour Jésus qui est ridicule pour le monde. Alléluia. Amen. Le monde ne va jamais rien dire. Alléluia. Amen. La présence. 1 Corinthiens 9, verset 24 et 27. Ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul emporte le prix. Nous sommes dans la course. Tous, dans quel coup, dans le coup de la sainteté. Alléluia. C'est un combat chaque jour qui se présente à nous. Quand tu arrives, tu vas au château. La sirène de l'homme dépose ses agents, ils sont là. Waouh. Verset. Mais c'est un combat. Alléluia. Vous, les jeunes filles, les bandits spirituels sont remplis partout, habillés chez les menteurs. Alléluia. Ils ont déposé mon sucre sur la langue. C'est sucré quand ils te parlent. C'est une course. Tu as le Saint-Esprit pour distinguer ce qui est vrai ou faux. Alléluia. Amen. Donc, toi, tu vas au plateau. À peine il te rencontre, il veut t'envoyer à. Quand tu dis qu'il canalise, non, tu ne peux pas canaliser dedans. Beaucoup de poissons.
Il y a quelque chose en toi que le diable a envoyé, il va tirer de toi. Est-ce que je fais comprendre? S'il y a quelque chose qui doit avoir une méthode de prix, un témoignage. Nous étions en Cécilia, il y a une fille qui avait venu avec son mari. Elle était dans la communication. Belle fille, tout ça, bon. Elle était chrétienne en plus. Fervent chrétien, cherchait Jésus. Mais comment ça s'est passé? Capitaine, pourquoi tu es lancé à ma police? Comment ça s'est passé pour qu'elle soit avec les larmes? C'est ceux qui savent, Jésus ne sait pas. Alléluia. Elle a envoyé, elle a rencontré un grand rappeur. Il a déposé sur un plateau. Alléluia. Ses affaires marchaient. C'est dans la communication, dans la publicité, ça marchait. Il a déposé sur un plateau d'or. Ce qu'il voulait, c'était un seul jour. Prince et Jules, il a déposé le premier. Quand il a vu l'argent, il a dit bon, un gars sûr. Vous savez, le diable n'est pas pressé. Hein? Il n'est pas pressé. Elle a résisté jusqu'à là, il est passé partout. Tac. Dès que il est parti, ses affaires ont commencé à dégringoler. Voilà en train de pleurer. Elle voit tout, c'est fini. C'est pas aujourd'hui, il n'y avait pas de lumière partout. Il est parti, il est sorti sa vie, sorti son réseau. Parce que c'était la grâce de Jésus, sa vie quand il avait besoin. Il a payé le prix pour la grâce de Jésus, sa vie quand il a vu. Il a dit sa dignité, c'est fini, il est parti. Ses affaires ont commencé. C'est par la prière qui a décidé que c'est un mystique. C'est un résolution. C'est ton état, il a vu de se calmer. Lâché. Pardon? J'ai dit la capter. Il n'a pas relâché, j'ai pas de capter. Alléluia. Et quand il a capté l'étoile, elle a perdu l'appétit. Son cœur battait tout le temps. Anxieuse. La peur, elle ne peut pas dormir chez elle. Ça veut dire que. Nous avons un combat tous les jours, toi et moi. Gloire à Jésus. On va aller rapidement au pas de course, comme je disais. 1 Corinthiens 15, 33, 34. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On s'arrête là. Alléluia. Qui te donne des conseils? Alléluia. Amen. Toi, tu es marié, tu manges à une femme célibataire, une fille célibataire. Quel conseil tu veux? Une bandite qui a divorcé. Elle est de c'est que c'est qu'elle a. Parce que je parle à quelqu'un. Amen. Vous savez qui est dans l'agent matrimonial? C'est Jésus qui marie les gens, c'est pas l'agent matrimonial qui marie les gens. Gloire à Dieu. Tout votre CV demande des personnes que vous ne connaissez pas. Et Dieu vous aide. Donc, on fait rencontre, connexion entre hommes. Et Jésus lui fait quoi dans ça? Si vous voulez, vous noterez, vous allez prendre chez vous 2 Corinthiens 5, verset 17. On peut lire ça. Si quelqu'un est né en Christ. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc, aujourd'hui, où tu es, fais-y Pentagone. Fais-y, ça, c'est terminé. Tu es en Jésus. Non, non, mon fils. C'est fini. Jésus te reconnaît. Et ça, c'est affaire des fils qui a se passé. Il te reconnaît en Saint-Esprit. Il ne te reconnaît pas en fils. Là, c'est pour toi. Tu as grave pour lui. Amen. Alléluia. C'est pas le... Attends, c'est pas la fille là. C'est celle. Qui s'est passé? Jésus est passé par là. Amen. Voilà Jésus. Amen.
C'est un esprit. Il faut le dénoncer pour qu'il te lâche. Tu dois couper totalement avec ces histoires de machin, de revendication. De... Non, non, non. Non, non, non. Philippiens chapitre 4, verset 8. On a la conclusion. Pour la conclusion, c'est sanctifier sa réponse. À la place du Seigneur pour lui. Pourquoi c'est sanctifier? C'est dans Pierre. Il faut se sanctifier pour vivre une vie de sainteté, pour voir aussi Jésus, Dieu. On acclame Jésus. Vous savez, je m'adresse à vous les jeunes parce que c'est pour vous. L'avenir vous appartient. Si vous avez compris, je sais que le reste a compris. Alléluia. Oh! Se sanctifier veut dire. On ne va pas faire quoi? La sanctification, c'est quelque chose. Dis ta parole. C'est quelque chose. T'as vu, elle dit. On va sanctifier sa vie, on ne va pas faire quoi? Ou on va faire quoi? Jésus n'est pas péché. Hein? Péché, quel genre de péché, par exemple? Péché là c'est comme ça, mais quel genre de péché, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire exactement? Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas. Viens à son secours. Ne pas comme tout le monde. Se sanctifier, c'est de vivre une vie de sainteté, de ne pas sortir avec le mari des autres. Et quand tu n'es pas marié, ne pas sortir avec quelqu'un qui n'est pas marié, et puis ne pas voler, ne pas continuer les critiques, les talonnies, les menus, les problématiques. L'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Donc, je pense que le sens de la sanctification, sainteté, purité, j'avais dit non, faut pas fumer, faut pas boire, faut pas sortir à la femme de quelqu'un, ni garçon, ni mari de quelqu'un. Alléluia. Parce que ça appartient à quelqu'un. Pourquoi toi tu vas sortir avec? Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pas facile.
demandons le secours du Saint-Esprit. Nous tous, nous luttons tous les jours. Alléluia. Amen. Vous voulez quoi? Nous, Dieu nous a fait la grâce et Dieu nous a prévenu. Voilà ce qui va arriver. C'est quoi? Nous, on sait sur quoi on a mis notre pied. Si la grâce n'est pas ça, on dit le vieux, mais le vieux est quand même, et puis tu as, est-ce que j'ai besoin de quoi t'aimer? C'est un combat. Mais parce qu'il y a des vieux aussi qui sont dépourvus de sagesse. Quand tu dis le vieux, c'est qu'on t'a mis à un certain piédestal, reste là-bas. Gloire à Jésus. Que Dieu nous aide ce matin. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide ce matin. Chacun d'entre nous en train de lutter chaque jour. Mais comme c'est un combat, le diable dit, je ne te laisserai pas. Toi, tu vas dire au diable, toi et moi, il n'y a rien pour nous. Quitte mon chemin, quitte ma vie. J'ai tourné dos à tout cela. Parce que la Bible déclare que je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Là où tu me comptais, les anciens souvenirs que tu me rappelais, je ne suis plus dedans. Envoyer ce que Jésus a changé ton adresse, envoyer. L'autre adresse est changée. Alléluia. Elle est changée. Alléluia. Amen. Elle est sur Jésus. Amen. Si le démon Baptiste vient dit non, toi tu ne buvais pas. Il m'a rappelé, il dit, mais je buvais. Il n'a pas dit buvais. Mais je ne bois plus. Je ne suis plus d'affaire d'accord. Baptiste, je ne suis plus ton client. Tu n'as pas vu? Bah, moi, je te montre à Bogota, quelqu'un a payé le prix avant pour moi. Donc, laisse-moi tranquille, va. Je suis plus ton client, va ailleurs. Pas plus mal à ça. Alléluia. Parce que c'est le démon de la porte. Il m'a rappelé les deux souvenirs. Je lui ai dit à Bogota, quelqu'un a payé le prix pour moi. Donc, si tu. Oh, comme ma fille ne peut pas partir à Bogota, il m'a laissé gentil. Je te donne un remède. S'il persiste ici, mon plus gros quelqu'un a payé le plus d'abord. Quel est le plus ce matin? Amen.